Hello à toutes et à tous, c'est Imerej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va se faire le Grand Prix Imerej. C'est des maps que j'ai créées moi-même, on va toutes les enchaîner et bien évidemment, vous allez retrouver toutes les descriptions dans la vidéo. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec la première course du Grand Prix. Roule ma boule, roule jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, vous allez voir un petit peu ce que j'ai préparé. Le code, comme à chaque fois, s'affiche en haut. Donc, première phase. Il faut passer tout ça. Là, une chance sur deux. Pour l'instant, j'ai de la chance. Voilà les amis, c'est une vidéo où je reviens aux sources. Format long. Il y a plein de jeux que j'ai envie de tester, dont Palworld. Donc, si ça vous hype, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et là, voilà, c'est l'échec. Ah, par contre, la map, elle ne pardonne pas. Il n'y a pas de checkpoint, hein. Voilà, donc j'ai plusieurs idées de jeux en tête. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, quel jeu vous aimeriez. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, de toute façon, j'irai que sur les jeux que je veux. Parce que bon, on est ici pour prendre du plaisir, hein, sinon, il n'y a pas d'intérêt à suivre la chaîne. Hop, voilà l'arrivée. Et attention, l'arrivée en grande pompe avec un pont-levis, c'est un échec. Wow, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Et voilà pour la première map du Grand Prix Imerej. Allez les amis, c'est parti pour la deuxième map, la ligne pluvieuse. Donc là, je vous souhaite simplement bonne chance. Pourquoi? Vous allez le voir. Et vous allez voir aussi pourquoi c'est la ligne pluvieuse. Bon, on dirait pas comme ça, mais mine de rien, ça met quand même du temps à créer des niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des idées pour la commu, ou pourquoi pas en live, on pourrait tous se faire un petit Grand Prix, et créer des maps, un petit peu des maps soit sympas, soit fun, soit hardcore, pour les faire ensemble en direct. Ça pourrait être une bonne idée pour la suite de la chaîne. Parce que Fall Guys, ça reste le premier jeu avec lequel j'ai démarré la chaîne. Donc même si on aura d'autres, et qu'il n'y a pas forcément que des jeux vidéo sur la chaîne, et ben... pourrait être sympa de revenir un petit peu aux sources. 2 ans d'existence de la chaîne maintenant, quasiment. Vous êtes toujours présent et ça fait plaisir. J'ai essayé de pas mal développer la commu grâce au format short. Mais les vrais, vous le savez, il y a aussi et avant tout du format long. Waouh, comment j'ai roulé sur la pastèque! Hop là! Donc voilà. Une petite map assez simple, hasard total, chance totale, faut pas se poser de questions, faut avancer. Voilà. Bon, pour l'instant on peut créer que des manches de course, ça c'est regrettable. Je trouve que voilà, ils se mènent pas trop là-dessus. Sur les nouveaux modes, ils sont pas très innovants. Et voilà la seconde course. Allez, troisième map du Grand Prix, 3 sur 5, on est à mi-parcours. Donc, vous allez vite comprendre le pourquoi du titre de la vidéo. C'est parti! Donc là, c'est la descente infernale. Je vous ai programmé tout ça pour que ce soit le plus sympatoche possible. Ouah, je me suis complètement loupé. Donc, grosse descente comme ça, en fait, on enchaîne tout simplement les phases de grosse descente et de grosse montée. Hop! J'ai essayé d'être le plus efficace possible pour remonter le plus rapidement possible. Là, j'avoue que la phase de remontée est un petit peu chiante, mais c'est mieux pour servir la suite des événements. Hop. Là, on arrive. Si vous y arrivez, il y a celui-là à prendre pour aller encore plus vite. La descente la plus rapide de Fall Guys. Hop. Et c'est là que tout se joue, les amis. Wouah, le fail. Le fail. Allez, et bah tant pis, ça va faire une petite V2. Hop là. Vraiment.
Voilà, donc un petit concept où pour une fois je vous présente pas les maps des abonnés, mais des maps que j'ai créées moi-même. Vous pouvez aussi vous amuser à reproduire le circuit si les maps vous plaisent, avec les codes qu'il y a juste au-dessus. Et me dire ce que vous en pensez. On pourrait aussi potentiellement jouer en groupe sur ces maps et faire une sorte de mini-classement de celui ou celle qui arrive en premier. Allez, c'est reparti pour une petite descente. Là, j'ai pas mal utilisé, hein, vous avez vu sur le mode créatif, la nouvelle fonctionnalité de boule. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Pas du tout. Bring. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, vous, de ce format. Voilà. C'était presque ça. Allez, avant-dernière course du Grand Prix, ma première au ski. Je n'ai jamais fait de ski. Vous allez voir, j'ai tout simplement, comme vous vous en doutez, reproduit vite fait une petite piste de ski. Ok. Oh bah dis donc, j'y croyais pas, je croyais que c'était une fausse porte. Donc là, hop, il faut slalomer un peu. Et c'est l'arrivée. Allez, c'est parti pour la dernière course du Grand Prix. Cinquième et dernière course du Grand Prix, la Star Road. Défi des arcs-en-ciel et les obstacles pour mériter la fin du niveau. Eh oui, petit clin d'œil à Mario Kart. La dernière, je l'appelais la Star Road. Alors, vous pouvez essayer de skipper un petit peu les choses. Normalement, j'ai fait en sorte qu'on puisse pas skipper les obstacles. Si vous y arrivez, bah bravo à vous. Là ici, ce petit bouton là, si jamais vous jouez à plusieurs, c'est pour refermer la porte derrière et faire les concurrents. Hop là. Donc voilà, on enchaîne les arcs-en-ciel. Chaque arc-en-ciel, sa difficulté. Hop. Hop là, petite difficulté suivante. Alors, ça fait un petit moment, pour être honnête, que j'ai créé les maps et je me souviens même plus de comment passer au plus vite. Peut-être comme ça, non, là ça va pas être suffisant, je vais ramener celui-là. C'est vrai que je suis plus très souvent sur Fall Guys. Manque de temps, manque d'envie aussi, je trouve que le jeu peine à se renouveler, mais bon, il est toujours aussi sympathique de base. Ok. Allez, on exploite la entre guillemets nouvelle fonctionnalité de rouler en boule. Et c'est l'arrivée. Voilà, fin du Grand Prix. Voilà les amis, petite vidéo du week-end que je pouvais vous proposer à la fraîche, à l'ancienne, retour aux sources. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien plus encore, rejoignez la communauté, ça fait plaisir, ça fait grandir. Partagez, likez et abonnez-vous, c'est gratuit. C'était Imerej, à bientôt, ciao.